Je suis Caroline Avaux et j'exerce sur le plateau de Saclay en Essonne. Avant Booster Academy, j'avais une activité en tant qu'indépendante de conseil et formation en communication digitale. C'est de voir évoluer les personnes que j'accompagne et de créer du lien avec elles. Rencontrer des nouvelles personnes et échanger avec elles sur leurs enjeux. J'ai une grande faculté d'adaptation et puis je pense que j'ai une grande facilité pour créer du lien et inspirer confiance. Les formations en présentiel permettent de créer un lien encore plus fort avec les académiciens que j'accompagne. Et je dirais même que pour eux, quand ils se rencontrent, ça leur permet d'ouvrir leur réseau et de pouvoir échanger aussi avec des personnes qu'ils n'auraient peut-être jamais soupçonné rencontrer. Alors, aucune préférence, ça dépend des sujets. J'aime être seule pour l'organisation, la planification, la réflexion. Et je trouve que le travail en équipe est très enrichissant pour le partage d'expériences. Donc, je trouve que justement, je trouve chez Booster un bon combo entre les deux. Un responsable de centre, je lui dirais de ne pas rester tout seul dans son coin et de travailler dans un environnement où il est amené à rencontrer régulièrement des personnes et puis d'être curieux. Je lui conseillerais qu'il réfléchisse à ce qui se passerait dans son entreprise s'il ne met rien en place et puis de prioriser ses actions, de ne pas chercher à courir tous les lièvres à la fois. Je pense, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Ça m'a appris à ne pas chercher à tout porter toute seule, à savoir m'entourer des bonnes personnes, à déléguer. On fait les deux, forcément, c'est l'ADN de Booster Academy. Je pense que ma préférence aujourd'hui va à l'entraînement, parce que j'aime vraiment voir progresser les personnes que j'accompagne.